Yo, bienvenue dans Console Mania. Je viens de remarquer que comme un gros débile, j'ai oublié de setup mon fond vert. Donc ce que je vais faire, survole le gueux. Allez, c'est parti. Tuto fond vert, tuto Mister MV, tuto fond vert. Allez hop. Bon, comment allez-vous? Comment allez-vous? Dites-moi, c'est important. Voilà, tuto fond vert, 2 secondes. Génial. Donc, bienvenue dans Console Mania, bienvenue sur Phantasy Star 3, ouais. Alors, il s'est passé plein de choses, je vous ai contacté pour un Stropole super intéressant. Oui, donc pourquoi? C'est important, il faut parler, il faut en parler ensemble, avant que je commence quoi que ce soit. Donc hier, donc on a fait notre session de Phantasy Star 3, comme la normalité, hein. Enfin, c'est normal, quoi. Bref. Et en fait, Monsieur Bogart est passé sur Console Mania et il a proposé une idée. L'idée était la suivante, c'était que quand on a des RPG bien longs et qui vont peut-être durer 47 heures, et qu'il y a des moments où il y a des petits, comment dire, des petits passages à vide, comme bah, enfin pas des petits passages à vide, mais bon, des moments où il va avoir énormément de farm, ça serait possible de, voilà, il me dit bah pourquoi pas, tu peux si tu veux décider de changer de jeu entre temps, par exemple tu te fais un petit jeu de sport et puis tu reviens. Et j'ai trouvé l'idée pas débile dans le sens où il arrive parfois des gens qui viennent et qui se plaignent. Ils ont raison, hein, je peux les écouter, c'est normal. Et du coup, j'ai voulu proposer l'idée. C'est pour ça que je vous ai passé ce Stropole. Et le Stropole est unanime, hein, bien entendu. Alors, je ne sais pas si c'est parce que hop là, j'ai mis des choix très spéciaux. Ou alors la façon de vous le dire était très spéciale. En tout cas, voilà, je vous avais demandé si vous étiez d'accord ou non, quoi. Et donc, pour la plupart, si j'ai bien compris, en tout cas pour les personnes qui ont répondu, hein, voilà, c'est bien le non qui gagne à 76%, donc c'est vraiment bien fou. C'est-à-dire que les gens ne veulent pas qu'on change de jeu. Mais de toute façon, le Stropole sert à troller, oui, ça je le sais très bien. Mais quand même, quand il y a il y a quand même 70% des gens qui demandent de rester sur le jeu, je pense qu'il n'y a pas que des trollers quand même. Donc voilà, moi personnellement ça me dérange pas de continuer Phantasy Star 3 car c'est un jeu que j'apprécie. Les RPG ça me dérange pas non plus, vous le savez bien de toute façon, comme on le dit souvent, va falloir y passer, donc que ça soit maintenant ou après, autant le faire tout de suite quoi. Voilà, je regarde le fond vert, il est pas dégueulasse, tout est normal, tout il est bien, tout il est beau. Et non, Darkthirst, on ne fera pas chacane. Non, non et non. Du coup, alors, nous sommes à la deuxième génération, le Stropole 1 a décidé, nous allons continuer parce que c'est important, c'est important. Alors, nous sommes à la deuxième génération, notre cher Rhys s'est marié avec Princesse Leia. Alors, elle ressemble beaucoup à Princesse Leia, c'est pour ça, mais elle s'appelle Lena. Ils ont eu un fils qui s'appelle Nial. Et Nial doit aller casser la gueule à des gens. Ouais, vous savez, casser la gueule à des gens. Et bien entendu, pour aller casser la gueule aux gens, il faut que je passe par des coins, des grottes, des trucs, tout ça. Du coup, c'est ce qu'on allait faire. Et ici, on était parti pour farmer, je crois. Hein. C'est ça? Oui. Donc, j'ai bien parlé à lui. Hein. Oui. Donc, en fait, faut que j'aille dans la cave du sud. Mais problème, c'est qu'à chaque fois que je vais aller dans cette cave, bah, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Ça ne fonctionne pas. Donc, je vais retourner vite fait dans mon... dans ma ville natale. Peut-être qu'il y a un... comment on appelle ça, un trigger. Mais en tout cas, bref, c'est pas possible. C'est pas une question d'audience, même si c'est vrai, Anaris, il arrive souvent de faire moins d'audience, entre guillemets, sur les RPG. Mais c'est pas trop ça un problème. Sinon, à la limite, si vraiment on vise que l'audience, je fais du Sonic. Je vous demande pas votre avis, je fais hey, bonjour, j'ai pas envie de jouer, on fait Sonic. Mais non. Dans ce cas-là, en fait, le raffle ne sert plus à rien, techniquement. Qui a nouvelle world slide? Ah, elle m'a dit quoi?
Prince Ruby is the key to another world that lies beyond the cave. Enfin, ok. En fait, je pense qu'il y a un trigger. J'ai manqué un trigger parce qu'on est déjà descendu et la cave, techniquement, j'ai pas pu rentrer. Donc je sais pas à qui je dois parler pour rentrer dans cette foutue cave. Tiens, je vais voir si je vais aller là pour voir. La meuf, elle peut dire... Oh putain, il y a personne. Oh l'arnaque. Normalement, il y avait quelqu'un qui doit peut-être vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Oui, c'est pas débile, hein. Techniquement, c'est pas débile. Fasse autre chose que 5 heures de Pokémon. Non, mais voyons, c'est une idée que notre ami. Non, comme ça sert à rien d'aller là. Faisons Boogerman. Problème, c'est que je vois pas qui j'aurais pu manquer. Je vais peut-être parler. Ah, si, je sais ce que je vais faire. Je vais retourner dans le château et je vais parler à tout le monde. Peut-être qu'il y a un trigger caché. Bon, ça va, la musique, c'est pas trop l'angoisse. Il y a eu pire, c'est sûr. Ok, super. Donc, Pepa. Don't worry, Nia, I will protect Lenden. Sean, I lie in Lens, of course. But Lane can be found elsewhere as well. Alors, est-ce que à chaque fois. Ouais, à chaque fois, il me dit ça comme ça. Je croyais que c'était un. Un trigger, please save my homeland. Ok, bon, au moins je suis allé parler à mon papa et à ma maman. Oui, il a une moustache, c'est Ashton. Bon, techniquement, je suis allé parler au roi, à la reine. Je suis allé parler au mec qui était dans l'ancienne ville et qui m'a dit ouais, il faut que t'ailles dans la cave en bas. Donc maintenant, je vais aller dans cette cave en espérant que ça va fonctionner. Oui, ils font la danse de l'épaule, c'est drôle. J'en avais déjà parlé, je trouvais ça bien, bien drôle. Juste, je vais regarder si on a assez d'items, d'emate. En fait, j'avais déjà... Ok. J'avais déjà... Je m'étais déjà stuffé. Et j'avais déjà fait pas mal de menuing. Parfait. Alors, attendez. Voilà, moi aussi je veux une moustache quand je serai pépé. Mais une moustache comme ça, hein, la moustache du swag. Bravo! Alors mieux par contre, elle est toujours aussi mauvaise. Hein, quand tu lui dis antidote, voilà, elle arrête une fois sur deux. Je sais pas ce qu'elle doit faire, elle doit faire l'antidote devant l'autre et elle l'a fait tomber comme une débile, j'en sais rien, je sais pas ce qui se passe, mais bref. Parce que mieux ne peut pas vieillir et Vren non plus, car ce sont des cyborgs. Et du coup, c'est bien fait. Ça, dans le jeu, je trouve que c'est très bien fait, très bien amené. C'est-à-dire qu'on a deux cyborgs qui vont nous suivre techniquement pendant toutes les générations, il me semble. Et ça, c'est super bien fait, c'est une super bonne idée. C'est vraiment cool. Je le redis encore une fois, c'est cool. S'il te plaît, est-ce que je peux regarder la carte? Ah, merci. Donc, en bas. Ah, parfait. Je me tire. Oh là là, ça recommence. Je suis en train de me faire enchaîner par les ennemis les moins intéressants de la Terre. Bah elle est nulle, c'est-à-dire que elle est pas très fut-fut quoi. Super génial. Il va falloir que je repasse pour me faire soigner car je me suis fait enlever la moitié de mes PV. Génial. Bienvenue la petite pelle. Des bisous. Bienvenue en console mania. Oh, oui, bienvenue en console mania. Ouais.
Ah oui, c'est... oui, non, mais là c'est clairement les poussins roses, les poussins violets. Je sais, en fait, les musiques signifient quelque chose. Je pense qu'à chaque fois, même si pas je pense, c'est, on a remarqué hein, tous ensemble que dès que tu as une nouvelle personne dans ton crew, les musiques, en fait, ça fait comme dans Mario. Par exemple, quand, quand t'as la musique dans Mario, Mario Super Mario World, je crois, ou même pas mal de Mario, par exemple, Mario Galaxy. Oh là là! Quand t'avances avec Mario, bah t'as une musique, et quand tu montes sur Yoshi, bah la musique, elle, y a de nouveaux instruments. Et du coup, je trouve ça stylé. Ça, par contre, bah, y a des très bonnes idées dans le jeu, hein, donc. Ah bah c'est comme Mario, bien sûr. Bien sûr. Merci, Shell. Quand j'essaie de vous expliquer quelque chose et que je suis comme ça, là, on dirait un débile. Voilà. Allez, lobotomise-moi ces gens-là. Bon, par contre, j'espère que cette fois, je vais pouvoir rentrer dans cette cave-là, parce que c'est chiant, en fait. Donc, vaut mieux parfois attaquer les ennemis que partir, parce que si je pars... là, en ce moment, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je suis pas assez rapide, mais je me fais one-shot. Enfin, je me fais pas one-shot, mais je perds beaucoup de vie à chaque fois que j'essaie de partir. Je sais pas pourquoi, ça ne veut pas rentrer. Alors peut-être c'est sur l'autre bord. Parce que il m'a dit au sud-est, non? J'ai peut-être pas compris. Bon, c'est peut-être au sud-ouest. On va tenter au sud-ouest. On va tenter au sud-ouest. Go-thérapie. Non, peut-être pas dyslexique quand même. Je cherche mes mots énormément. Princesse Leia. Non, j'ai pas dit Celia, j'ai dit princesse. Oui, je sais. J'ai du mal comprendre. Bon, tant mieux, comme ça on va faire encore un petit tour. On revient encore dans notre ville. On va encore se soigner. C'est génial. J'adore. J'adore ce jeu. Allez, go. Ouais, apparemment j'ai pris la voie du guerrier sans faire gaffe. Hein. C'est-à-dire que techniquement, vraiment un sens. Pour être assez vrai avec toi, la petite pelle. Moi, c'est, j'avoue que dans les RPG. Moi, je suis le mec qui bourre. En fait, il faut que ça soit visuel. Et, les mages dans les RPG, moi, ça me saoule. Parce qu'ils sont en train d'incanter leur truc, machin. Une fois sur deux, ça fonctionne pas, tu vois. Alors qu'une épée, bim. Voilà, ça, c'est clair. Le mec, il est pas content. Boum, coup de boule. Voilà, et c'est fini. Alors qu'en plus, les autres sont avec leur bâton, on se fait chier. Il y en a marre. Voilà. Non, pas de Game Facts maintenant. Attends, y a pas d'endroits où je suis pas passé. Le Game Facts, vraiment, ça sera sûrement à la fin. Sûrement à la fin pour voir si mon niveau est bon. Si j'ai les bons objets. Voilà, non, ça sera vraiment pour GG la fin, quoi. J'ai vraiment pas envie de faire une Phantasy Star 2, là. Maintenant, on peut clairement dire que la dernière fois, j'ai fait une Phantasy Star 2. Par contre, c'est chiant. Merci.
Donc si je passe par là, techniquement, je suis de l'autre côté. Oui, je suis de l'autre côté. Donc maintenant, on va dans la grotte qui est tout en bas à gauche. Et j'en suis sûr que, de toute façon, si c'est pas... il m'a dit que c'est dans la cave au sud. Si c'est pas à droite, c'est obligatoirement à gauche. Hein. Les poussins shiny, c'est la base. Oui, je suis sûr que je suis très content quand un mage touche les 8 ennemis. Mais t'as bien vu Lyle, les 8 ennemis qui s'est tapé, entre guillemets. Oh là là, il faisait 10 de dégâts. Alors que moi, quand je tape avec une épée... Ouais, ils font 0. Oh, c'est mignon. Quand je tape avec une épée, je fais au moins 100, quoi. Des majorettes. Oh, mais s'il te plaît. C2J. S'il te plaît. Respecte les gens. Faut pas respecter les mecs avec les bâtons. De quoi, il y a Cybercube. Ah, une Tricher Cube. Qui est déjà prêt pour Smash, hein. Le mec, il a déjà... il est déjà prêt. Non, mais t'es sérieux? Oh là là, je peux passer 43 fois, là, sur le rebord. Tu fais chier. Allez, go. Mais en tout cas, ce qui est super bien, ça m'a vraiment fait plaisir, c'est que en faisant ce Stropole, j'ai remarqué que les gens dans Console Mania étaient un peu comme moi, on est tous un peu maso, et ça c'est beau. Ça c'est beau, parce que, vous savez, c'est un peu comme quand vous allez chez le docteur, ou non, quand vous étiez petit, vous savez, et on vous dit, enfin votre mère ou votre père, slash une personne de votre famille, vous dit, bon, il va falloir aller chez le médecin pour faire ta piqûre. À ce moment-là, tu te liquifies, quoi, t'es... Pourquoi une piqûre? Et en fait, tu sèles. Tu sais que tu vas y passer. Tu sais qu'obligatoirement, il y a un mec qui va t'enfoncer l'aiguille. Obligatoirement. Et le truc, c'est que t'essaies absolument de te dire, bon, allez, non. Et il y a deux cas de figure. Soit tu la joues en homme, slash tu as du courage. On va pas dire qu'il y a que les hommes qui ont du courage. Et tu dis, de toute façon, faut y aller. Soit t'essaies de trouver un moyen, genre t'es pas bien. Tu vois, je suis malade... Je me sens pas bien. Ou alors, oui, tu y vas parce que t'es un taré, quoi. Il y a des gens, ils ont pas peur. Et ben là, c'est à peu près comme ça. Et vous avez réagi un peu de la bonne manière. C'est-à-dire, vous m'avez dit, bah voilà, autant le fuir, quoi. Autant y aller, de toute façon, si on n'y passe pas aujourd'hui, on devra y passer un autre jour. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau parce que vous avez vous embrassé, entre guillemets, l'esprit de Console Mania. Alors que oui, notre cher Canogar, lui, bah, il va embrasser plutôt les jeux qu'il aime bien. Bon, même s'il faut respecter... faut respecter Ken quand même, c'est important. Il n'y aurait pas de Console Mania si Ken n'existait pas. Ou si Ken n'était pas sur la rétro indé. Donc respectons Ken et respectons Console Mania. Donc, la grotte est à gauche. Est-ce que c'est une ville? Non, c'est juste un... Ouais, d'accord, j'ai eu un brain lag. C'est le destin. C'est l'esprit shonen, exactement. Allez, attention. De toute façon, c'est obligatoire. Là, c'est obligatoire que je rentre dans cette... là, ici, là. C'est ici, putain. Enfin, dans cette cave. Je cherche encore le mot. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Après, il y a des avantages et des inconvénients, hein. Parfait. Donc, le chat qui passe devant l'écran, ça c'est génial. Mais on l'aime bien. Alors qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Bon, il y a des pièces. Bon, pour l'instant, les ennemis sont pas trop... sont pas trop forts, ça va. Enfin, c'est des ennemis qu'on a déjà rencontrés, quoi. Il m'a fait un damage, je m'en ai bien. Moi aussi, je veux bien... Franchement, un Console Mania sur la GBA, ça m'ambiance. Hein. Ça m'ambiance un max.
Qu'est-ce qui se passe? En même temps, quand tu crées les règles, tu les adaptes à ta convenance, Dixit Ken. Oui, bah de toute façon, mais en fait, il y a plus simple en fait, les mecs. Le mec et les gonzesses, bien entendu. Quand, en gros, vous créez une émission, comme par exemple le Platformer, mais pas que. Et que tu décides par exemple de faire les Spyro. Et qu'après, dans les Spyro, tu dis ah, oh, j'aimerais bien jouer à Dynasty Warriors. Tu vois, si t'as décidé toi-même que t'allais jouer à Dynasty Warriors, tu vas expliquer aux gens de la manière, tu vas le présenter en fait de la meilleure manière pour que les gens disent ah bah oui, oui, ce serait pas con. Et dans un sens, bah Ken c'est un peu ça. Quand il fait ses émissions, les meurs pas sans ton pif, les coffres à versus, machin. C'est des émissions qui lui ressemblent. Donc il a voulu... Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas où je vais. C'est lui qui a voulu faire le truc, quoi. Je sais pas où je vais. Monsomania Engage? Non. Je pense qu'on va prendre les escaliers. Salut Absolès. Ah oui, c'était toi qui avais dit engage en plus. Console Mania CDI. Par exemple, moi, il y a un truc vraiment qui m'ambiance pas mal, et c'est pour ça que je pense être clairement maso parfois. What? Donc là, je suis sorti. Je crois que je suis revenu. Hein. Ah non, je suis sorti. Ah mais en fait c'est logique, quand tu rentres dans la grotte, en fait si tu fais en bas et à gauche, techniquement tu vas en bas et à gauche. C'est génial. Donc, allez go. Ça j'ai toujours pas compris pourquoi il y a des routes. Ça faudrait vraiment m'expliquer quoi. Ah ça y est. Les ennemis du swag là. Oui donc je disais par exemple hier, depuis un petit moment... Depuis 2-3 jours, je crois qu'Heidi fait Castlevania sur Nintendo 64. Et sérieusement, je vous le dis, hein, moi ce jeu il m'ambiance tellement. En fait, parce qu'il est difficile. Du coup, comme il est difficile et chiant, moi ça me donne envie quoi. Je suis un peu bizarre. Hein. Je le conçois, je suis un peu bizarre. Mais ça me donne envie parce qu'il a l'air d'être compliqué. Donc. Si je dis pas chacun, il me... Mais non, mais dis pas ça. Bah dans un sens, tu l'as dit, donc maintenant je t'ai vu. Ouais, sûrement, un avion, une connerie du genre, mais je sais pas, on est dans un univers qui porte... Enfin, s'il y a un mec qui me dit, ouais, j'ai un Boeing là avec moi, ça te dit de voler, je vais le regarder, je vais lui dire, mais what? Alain et Divisiac. Ok. Zendivisias Castle. Ok. Bon, je vais sauvegarder. Oui, c'est une bête. Je vais voir si je suis pas empoisonné avant. Mais je suis con. C'est pas comme ça qu'on regarde si je suis empoisonné. Oui. Si tu choisis en bas à gauche, tu vas en bas à gauche. Il y a vraiment des phrases parfois que je dis, je devrais vraiment me taire, mais c'est ça qui est drôle. Ouais, je crois que Kaylee a eu des problèmes avec avec le framerate du jeu. Donc c'est pas débile ce que tu dis. Enfin, je pense que c'est parce que tu l'as vu de tes propres yeux que tu dis ça. Lion, excusez-moi. Ouah. Mon cerveau est pas encore totalement réveillé. Ouah. Pourtant, j'ai bien dormi, c'est ça que je comprends pas. J'ai bien dormi, j'ai dormi
Bah quoi, 10 heures? C'est peut-être parce que je dors 10 heures comme un sac. Que ça veut, plus vous dormez, plus vous êtes fatigué. Donc j'ai cherché l'armurerie, il n'y en a pas, donc on va descendre. Hein. Salut! Welcome, Hurricanes, to our podcast. Ok. C'est 12h du matin, c'est vrai. La digestion du petit déj, ça doit être ça, je sais pas. Alors. Ah bah oui, il y a des avantages à faire console mania quand même, hein. Oh, oh. Moi je me tape tous les jeux de merde, mais je peux dormir 10 heures. Ah, bienvenue. Enfin, bienvenue. Bien le bonjour. We'll never leave our dungeon. Ah là. Trayan Allaire gives me creeps. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Salut. I'm not sure that we are doing the right thing. Mais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Raconte-moi. Raconte-moi ta vie. Raconte-moi tes problèmes. Ok. Je ne sais pas où on va. Mais en tout cas, on y va. Mais ça par contre le délai de... Enfin par exemple imaginons mettre des jeux normaux entre guillemets entre les RPG, moi ça me va pas en fait. Parce que du coup, à faire ça en fait, je trouve qu'on casse l'essence même du raffle. Parce que techniquement le raffle il est là pour que la personne qui tombe, donc qui gagne le raffle, puisse choisir ce qu'il souhaite. Et si tu lui dis, attention, t'as le droit de choisir ce que tu souhaites, sauf ça, 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 ça. Ça fait un peu, vous savez, comme quand vous allez dans une fête foraine et que vous gagnez à la carabine et que le mec vous dit, ah, oh, trop bien, t'as gagné. Par contre, tu peux pas choisir ça, ça, ça. En gros, tu peux choisir entre une peluche et une peluche. Donc techniquement, je trouve que ça donne pas le choix, quoi. Ah, le chat qui vient nous faire des bisous, c'est important. Alors moi je vous dis, hein, moi ça m'a mis très mal, hein, le tir à la carabine où j'étais trop bon et que le mec me dit « Ah bah alors en fait t'as payé 2 euros ? Ah bah comme tes parents ont payé 2 euros, bah tu peux pas avoir grand chose petit gamin. » Et ça me fait chier. Allez. Le type de jeu dans le GDoc. Ah bah non, c'est ça aussi ça, c'est parfois il y a des mecs qui choisissent des jeux pour le kiff, tu vois. Par exemple, le bus magique, le mec il a vu bus magique. Il n'y avait pas marqué jeu éducatif, t'imagines? Ouais, j'ai vu, Vren il est empoisonné, mais c'est pas très grave. T'imagines si le bus magique avait marqué jeu éducatif, personne l'aurait choisi, même si c'était le bus magique. Alors que là, il y a un mec qui l'a choisi, on a bien rigolé. Bon, le jeu, on lui a roulé dessus parce que on était invincible. Mais voilà, non, faut laisser comme ça. Moi, je dis, faut laisser comme là, c'est. Ça marche bien. Ça fait maintenant plusieurs mois qu'on marche comme ça et tout fonctionne bien. Oui, tu éclatais les ballons avec trois billes de plomb. Pendant que le chat repasse devant l'écran toutes les 5 minutes. Hein, je sais pas pourquoi, mais il veut vraiment, absolument passer devant l'écran. Voilà, il a tout fait tomber. C'est le GG. C'est le GG. Le chat a tout cassé. Allez. Ah si, si. Oh, Nox, alors là, le raffle choisit les habitués. La preuve, hein, Anaris. D'ailleurs, hein, si ici quelqu'un sait, quelqu'un, oui,
si quelqu'un sait qui vole le pseudo d'Anaris sur Mario Kart 8, qu'on me le dise tout de suite, que j'aille voir cette personne pour dire c'est pas très bien quand même. Oui, il vient m'embêter, exactement. Ok. Il te restera 10 jeux de foot. Bah, moi ça me dérange pas. Ça aussi, c'est pour ça que j'ai fait le Straw Poll. Parce que Ken m'a dit la chose suivante. Il m'a dit, bah voilà. C'est pas con, comme il me l'a présenté, c'est pas con. Il m'a dit, mais à force, en fait, tu vas faire aucun jeu de foot US, tous les machins et tout. Personne ne va te donner ce jeu-là, parce que quand t'es choisi par le raffle, tu veux un jeu de ta vie, un jeu de la vie, quoi. Donc tu vas avoir à la fin tous les jeux de merde, et ça va être chiant. Mais bon, moi ça me dérange pas. Oui, sûrement Ken instaurerait des autres règles. Par exemple, il instaurerait la règle de plus jamais refaire Last Battle. Par contre, j'aimerais vraiment qu'il meure en fait avant de me soigner. Putain, le mec il bouge tellement bien ses oreilles. Alors. Alors. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que Vren, ou je sais pas comment on peut l'appeler, Ren, c'est un sac à PV et ça c'est cool. Qui en sorte que je sois tiré tous les jeux en plus. Et forcer. Ah, ok. Oui. Je vois ce que tu veux dire. Si tout j'ai. Ouah ! Il y a totalement un mec ou une nana enfermée. On va aller voir. Ah. De toute façon, Console Mania, si ça se trouve, des règles vont changer, des trucs vont changer un jour, mais de toute façon. Ok, je peux pas passer. Il me faudra toujours un accord du chat, ce qui me semble totalement normal et logique. Même s'il y a des lois que je ferai passer sans vous demander. Il est encore plus pété, parfait. Voilà, ça s'ouvre comme ça. Salut! D'accord. Je m'engage à te donner un jeu bien moisi. Alors, thank you for freeing me, Prince Nial. My brother Lune needs to be stopped. He's crazy. I guess 1000 ans of exile has warped him. Okay. All he wants to kill. Okay. Wow. I'm going back to try to convince him to stop. Ok, donc maintenant t'es avec moi. D'accord. D'accord. On doit juste tirer en fait. 49 tours. Mais genre c'est comme ça là.
Ah, je suis à l'autre partie de la ville. Ah, ça c'est cool ça. Ouais, je peux acheter du stuff. Parfait. Oui. Ah, parfait. Laser staff. Enfin, laser staff. Tu. Donc, je vais regarder les armes que j'ai. Je crois déjà les Steel Claw, je les ai. Et Vren, il a quoi? Il a un Ceramic Shot. Et moi, j'ai quoi? Une Steel Sword. Donc, en fait, je pense que j'ai rien acheté. Merde. Con. Ceramic Sword, Lacon Shot. Je sais pas si ça fait plus mal ça. Dans le doute, je prends. Dans le doute, je prends parce que c'est bien. Attention. Il a gagné 40 en damage. Ok, alors si c'est lui qui est pété, je vais le faire monter. Hein. Oh mon dieu! Le mec, il a gagné 40! 40! 40! Ah, je suis choqué. Alors. Ok. Alors. Force armure, je sais pas ce que c'est. Prends, de toute façon. C'est au torse, et en, du coup, maintenant, la céramique armure ne sert plus à rien. Ouais, ça sert à ça aussi de farmer. C'est que pour l'instant, le jeu, on avance tout droit. Hein. Il n'y a pas eu un moment où j'ai dû farmer pendant 3 heures. Hein. Et ça, qu'est-ce que c'est bien? Non. Qu'est-ce que je pourrais acheter d'autre? Ceramic Vest, Ceramic Protection. Je crois qu'il a déjà une Ceramic Protection, l'autre. Un petit column, ça me dérange pas, mais c'est pas un jeu qui me rend fou, quoi. Steel Protection. Je sais pas si une céramique protection. Oh si, céramique protection, ça va être bien. Voilà. Ah oui, thank you. Salut Mr. Baobab. Bienvenue dans Console Mania. VBB. Assis-toi, fais comme chez toi. Oh là là là, ça va être trop bien. Non, il va être trop pété. Ah, Vren, il est trop pété, je l'aime. Marie-toi avec moi. Non. Until Reborn. Et elle a quoi comme veste? Steel Vest, il y a sûrement la Ceramic Vest là. Ah, Ceramic Vest, bien sûr. Ah, bien entendu. De quoi? Ah, oui, c'est normal. C'est à mieux qu'il faut lui donner. Mais ouais. Une simute curling. Ah, du golf. Ah, moi je kiffe le golf. Hein. Moi, mon jeu du moment, on me l'a demandé hier et on m'a insulté, c'est Everybody's Golf sur PS Vita.
C'est mon jeu du moment. N'hésitez pas à continuer de m'insulter, mais j'adore les jeux de golf. C'est vraiment pas une blague. Ceramic vest. Ouais. On peut faire un jeu de pêche aussi, c'est pas con. Enfin, si c'est ça dont vous parlez. Des jeux de pêche, il y en a dans la liste. Hein. J'ai déjà essayé. 41, je pense qu'on va faire une petite pause là maintenant. Bon, on va faire une petite pause maintenant, ouais, c'est sympa. Parce que j'ai un peu la gorge toute sèche. J'aimerais bien boire. Et j'aime pas forcer sur ma voix. Les speedruns de jeux de golf se multiplient, c'est très fun. Pas pour speedrunner, mais pour y jouer. Non, j'en fais pas IRL. Mais j'aimerais bien. Mais après, bon, le golf IRL, je sais pas. Mais en tout cas, le golf en jeu vidéo, ça c'est cool. Allez, petite pause. Du temps que j'aille boire un coup. Parce que j'ai la gorge toute sèche. Tout sèche. Allez, assis ailleurs. Re dans le console mania. Ouais. Re sur Fantasy Star 3. Ouais. Bienvenue. Bienvenue au petit nouveau. Ouais. Bienvenue dans ce jeu, qu'est-ce qu'il est bien. Et surtout, bienvenue dans cette partie où là, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Donc ça, c'est cool. Mais on s'en fout, parce qu'on est stuffé un max. Et j'ai bien lancé le local record, attention. Oui, j'ai relancé le local record, c'est très très bien. Pendant que je vois que sur le chat, pas mal s'appelle, pas mal rajoute chacun à leur pseudo. Pseudoless, sache que je vais vraiment te trouver un jour et je vais vraiment te tuer. Mais bon, au moins, tu auras influé, enfin non, tu auras donné une petite, comment on appelle ça, un petit vent de fraîcheur à Console Mania. Mais attention, car c'est un gang. Bref, ce qu'on va faire, si j'ai bien compris, c'est qu'on a donné comment on appelle ça, la liberté à la sœur d'un mec qui veut tout casser, mais après on sait pas qu'est-ce qu'on doit faire. Voilà. Et ça, c'est triste. Je vais remettre ça comme ça. Surtout en plus que d'une, que c'est triste, de deux, malheureusement sur cette map, il n'y a pas d'indication sur qu'est-ce que je dois faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à gauche. On va fouiller, on va aller à gauche. Ouais, je pense que c'est ce qu'on va faire. On va fouiller et aller à gauche parce que c'est la base. Allez, go. Ouah! Totalement des meufs bizarres. Oh là là. Ah, ça fait mal, hein. Est-ce que je devrais farmer? Je sais pas. Est-ce que j'ai les céramiques là-haut? Parce que c'est con, mais est-ce que je les ai? Mais voilà. Salut Scar. J'ai oublié un truc, les mecs. Vous me l'avez pas dit, bande de salauds. J'ai pas pris les griffes en céramique. Ah, mais c'est des Catwoman, ok. Apparemment, vraiment, ils aiment beaucoup les chats. Hein. Mais toujours le caractère design, c'est pas ça, quoi. Vous m'avez vraiment pas dit d'acheter les céramiques là, je vous en... Ouah, non, mon dieu. Ah, fait chier. Tu me l'as dit. D'accord. Ah, c'est parce qu'il y avait sûrement marqué chacun après ton pseudo, du coup je me suis dit que t'étais pas intéressant. Allez, salut. Merci de me l'avoir dit. Je pense qu'il aurait fallu que plusieurs personnes me le disent plutôt. Donc c'est pas grave, je vais farmer de l'argent.
Là, je commence quand même à me poser des questions sur est-ce que je devrais pas farmer tout court. Donc je sais pas. Allez, go. Casser ta gueule. Ah. Voilà, Niall gagne un niveau, c'est génial. 890 et il me faut 1150, je crois. Non, petite, arrête de parler de Ney. Mais elle est à côté de moi. Elle est à côté de moi et on va mourir ensemble. Par contre, mon arme maintenant. Enfin, l'arme de Vren ne touche pas tous les ennemis, c'est pas une arme d'AE. Bon, c'est pas grave dans un sens, vu que ça fait 40 en attaque de plus. 40 en plus en attaque plutôt. Apprends à parler s'il te plaît. Merci. Wouah, il gagne tellement des niveaux à la. En masse. Parfait. Non. Alors. Donc, elle a 128 en damage. Maintenant, on va voir ce que ça donne avec les Ceramic Claws. 147. Oh, ça commence à être sexy, hein. 166. C'est sexy. C'est très sexy. Alors. Non, celle. Ouais. 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 Ce qu'on va faire, je pense qu'on va farmer un peu. On va farmer un peu, ouais. C'est pas con, comme ça je suis sûr de pouvoir avancer dans le jeu en fait. Alors, je regarde vite fait. Niveau 24, niveau 25, niveau 9. Je sais pas combien de niveaux. On va peut-être les faire monter jusqu'au niveau 26-27. Et Niall peut-être 11-12. Puis comme ça, ça me permettra. Ça me permettra de gagner un peu des TP. Ça me permettra d'être sûr que la suite j'y passe sans trop de problèmes. Et au moins, je fais le plein de MST. Parce que là, il n'y a pas beaucoup d'MST. Hein. Moi, j'en veux plein. Ah, tu reviens pour du farm. Ah, c'est parfait. C'est parfait. Parfait, d'accord. Donc c'est parti. On est parti pour faire un peu de farm avant de continuer. Ce que je vais faire en fait, je vais un peu fouiller au final. Je vais faire du farm intelligent. Je vais un peu fouiller les alentours. Voilà. Ça servira pas à rien. Ouais, elle fait mal. Hein. Elle fait totalement mal. Hein. Alors. Ah, donc là, il n'y a rien. Donc techniquement, il faut partir à gauche. Il faut partir à l'ouest. Ouais, il faut partir à l'ouest. Oh là là, embuscade. Par contre, ça c'est chiant. Casse-leur la gueule. Parfait. Alors, on va aller tout à droite, voir ce qu'il y a. Ouais, il y a marqué Go West. Allez, bouge tes pectoraux, bouge tes pecs, ouais, vas-y, bouge ton boule. Parfait. Lili.
On va aller en bas, comme ça je vais fouiller un peu le sud. Même s'il y a marqué Go West, hein, on va fouiller. J'espère que ça va servir à quelque chose de farmer. Enfin, au moins je vais trouver des endroits assez appréciables. Parfait. Salut, bienvenue. Bienvenue Praline. Ah, on peut pas passer par là, je suis bloqué. Ah ouais, gagne des niveaux. Oh oui. Où suis-je? Je suis bloqué. Mais pour savoir, parce que la carte, j'ai l'impression qu'elle ne correspond à... Ah si, elle correspond à pas mal de choses. Okay. J'ai du mal à m'orienter. Hein. J'ai pas mon GPS. Ouah, 29 PV, faut absolument que je me soigne. Faut que je me soigne. Un petit coup de raise. Bon, je suis une mauvaise langue, mais maintenant le raise, faut dire, le raise de mieux est quand même pas mal, et mieux qu'avant. Qu'est-ce que je suis drôle. Tiens, il y a un truc. Ah, la meurt. Il y a peut-être une ville. On va peut-être aller voir. Allez, mieux qu'il y en a. J'ai jamais autant EP d'une. Enfin, levelé d'une manière aussi rapide. Enfin, c'est n'importe quoi. Je ne sais plus parler tellement que je suis heureux. Alors. Ça... Oulala, ça sent la merde. Ok, c'est à gauche. Donc en fait, là, il est en train de me dire que à droite, il n'y a rien. Ok, va falloir aller à gauche. C'est génial. On va aller voir quand même à l'est. Je sais jamais. Et là, à l'est, il y a une ville qui me permet d'acheter des trucs pétail. Et là, je suis. J'ai fini le jeu. Ouais, ça me change de Phantasy Star 2. C'est pour ça en fait que je suis un peu... En fait j'ai l'impression que... Alors peut-être tous les RPG c'est comme ça. Mais là que il est fluide. Que cet épisode là, qu'est-ce qu'il est fluide comparé à Phantasy Star 2. Oh mon dieu. Enfin je veux dire, il n'y a pas eu un moment où j'ai voulu casser la manette. Parce qu'il y a un ennemi qui me one-shot quoi. Ça c'est super appréciable quoi. Bon, il y a juste mieux qui me fait chier avec ces techs de merde qui augmentent, mais ça j'avoue que c'est chiant, vraiment. Mais à part ça, ça c'est cool. Soigner Vren. Et encore plus fluide PS4. Hop là. Ok. Donc là, il n'y a rien. Et là, je peux pas y aller. Donc ça veut dire, techniquement, vu où je suis,
que je ne peux pas aller à droite à partir d'ici. Donc obligatoirement, je suis obligé d'aller à gauche, donc la suite est à gauche. Parce que je ne peux pas passer, parfait. Donc je vais retourner vers la ville, et dès que je serai vers la ville, on va regarder les... On va regarder nos levels, et on va voir ce qu'on fait. Si j'arrive pas... Si je n'y arrive... Ah, si j'y arrive plutôt. C'est le meilleur... Je vais mettre 12 sur 5. Quand même. Était meilleur que FF6. Ouh, en plus, le seul FF que j'ai fait et refait techniquement, je crois que c'est le seul FF que j'ai fait plus d'une fois. Du coup, si c'est le seul, ça veut dire que s'il serait mieux, ah, si Phantasy Star 4 est mieux. Ah non, je peux passer. Ouais, il y a une ville. Ouais, il y avait totalement une ville. Mais je l'ai pas vu tout à l'heure. Oh, c'est super bizarre. Bon, c'est pas grave. Ah si, je vais y aller quand même. Ah, ça fait plaisir. Bah, continue à décuver le Lolo. Enfin, décuver, t'as compris. Oh là là, ils font zéro, mais ils arrivent à m'empoisonner. Oh, je vous promets, qu'est-ce que je vous déteste. Encore ? Allez. Mais... Ah, c'est dedans ! Ah, c'est dans un endroit où je peux pas aller ! Oh là là, fait chier ! Pas grave, mais bon. Allez, bim, salut. C'est pas grave, je suis en train de faire le tour, faites le tour, et puis s'en va. Voilà, hein. Waouh. Bouge mes pectoraux. Par contre, il y a un truc dans ce Phantasy Star que j'aime pas trop. C'est le fait que t'as des ennemis qui sont au premier et au deuxième plan. Ce qui veut dire techniquement qu'il y a des ennemis que tu peux toucher tout de suite. Il y a des ennemis que tu ne peux pas toucher. Et bien entendu, vous imaginez bien, à chaque fois, c'est les ennemis les plus chiants qui sont derrière. Et là, je vais me faire tuer, ça continue. Et ça, j'avoue que c'est bien casse-couille. Allez, je sais que tu peux le faire. Allez, j'y crois à mort. Oh le 1 de vital. Ce petit 1 de vital, c'est beau. Moi je dis c'est beau. Et vas-y, elle augmente, hein. Continue à augmenter. Est-ce que j'ai pas un trimate? Non. Voilà. Donc 26, 27 et 11. J'avais dit 12. Bon, on va continuer. J'ai envie de fouiller ce qui se passe. Et après, on va continuer. Le trimestre, c'est la vie. Ah, yeah. Ah mais c'est, d'accord, je suis revenu à cet endroit-là. D'accord. Bon, parfait. J'ai regardé. On va continuer un peu. Ça coûte rien de faire ça.
Comme ça, en plus, ça me donne des MST, comme je vous l'ai dit. Moi, j'aime beaucoup les MST. Parfait, attaquez-moi. Allez. En plus du coup, comme j'ai pris la génération qui me permet d'avoir le plus de DPS, techniquement, si j'arrive encore à avoir encore plus de DPS, toujours plus de DPS, toujours encore du DPS, je vais totalement GG le jeu alors que le jeu il aura rien compris quoi. Ça serait drôle quand même d'arriver devant le boss de fin, donc bon bah dans 3 semaines, et de lui exploser sa face quoi. Mais genre lui exploser sa face que le mec il me fait 10 de dégâts. Et qu'on rigole tous ensemble. Et qu'on mette de la country et qu'on fasse. Tu es juste une grosse merde. Il y a des MST plus rigolotes que d'autres, mais oui. Ah bah oui, je serais content. Sur les mes états, oui, c'est un peu de la merde. Voilà, continue de gagner des niveaux. Moi, ça me fait kiffer. J'ai combien? Je dois avoir facilement 5-6 000. Ah, 6 000. 6 579, c'est bien. Et je suis level 11. Ah, techniquement, je peux monter encore plus. Hein. Encore plus, encore plus. Toujours plus. Vous imaginez les séances de farm en fast forward sur PS3, ça doit être vachement violent. Hein. Tu dois monter en 10 minutes du niveau 5 à 60, tu dois pas comprendre. T'en auras jusqu'à plus soif. Ah, parfait! Vous vous rendez compte, hein, là c'était du one shot, pour chaque ennemi j'ai fait 300 XP. Si tu fais ça jusqu'au boss final, je me la coupe. Non mais non, 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 mais t'as pas compris. Je veux dire que ça va être très utile si avant le boss final, j'arrive à le GG. Oui, c'est pas parce que dans PS3 t'arrives avec un level 30 que techniquement t'es aussi fort que dans PS2. Cela dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'il faudrait transposer les ennemis de PS2 à PS3 et je pense que ça rigolerait pas. Si tu mets les derniers ennemis, là les dark, la mort ou les trucs bien dégueulasses qu'on a vu à la fin de PS2, tu les mets ici, je pense que ça va pas. Oui, bien sûr, demain il y a Consolemania. 1er mai il y a Consolemania. Non mais oh. En plus, réfléchis, ça serait con. Ça serait con de pas mettre Consolemania parce que les gens vont être en vacances. Du coup, bah à midi ils vont être tranquilles, posés. Et il y aura encore plus de chances qu'ils regardent Consolemania. Donc techniquement, on sera encore plein. Donc oui, bien sûr, je vais faire Consolemania. Alors. Triple CPM, exactement. Tu as raison, bien. Triple CPM. Ah, j'ai plus rien. Est-ce que quelqu'un peut me dire combien j'ai mis à Phantasy Star 2, s'il vous plaît? Je me rappelle plus bien. Ça serait gentil.
Oh, demain, non, je finirai pas le jeu demain. Même si j'ai envie. Donc je vais regarder. J'ai mis 3. Ok. Je sais pas ce que je voulais regarder, mais bon. Alors, niveau 27, ce qu'on va faire, c'est que je fais monter niveau 28, Vren et mieux, et puis après on y va. Je regarde juste le nombre d'XP qu'il demande. Ouais, c'est bon, voilà. Je fais monter les deux, et puis après on continue. J'ai mis 3. Ok. Parce que techniquement, là, l'expérience que je suis en train de vivre avec PS3 est meilleure qu'avec PS2. Pour le moment, j'ai bien dit, hein. Donc ça vaudra peut-être son petit 3,5 mania. Et ça, si 3,5 mania, ça c'est beau. Oui, attends la fin du jeu, je sais. Parce que sur PS2, j'avais dit ça jusqu'au moment où on m'a dit, bon, allez, faut que tu gagnes 5 levels et tu vas gagner 1 level par heure. Allez, salut. Non. Je sais très bien de quoi il en retourne. Mais dans un sens, tant mieux. Oui, Vren est empoisonné, j'ai vu. C'est pas trop un problème. Quand t'es empoisonné, tu perds pas ta vie à cause du poison. Par contre, tu ne peux juste pas te healer. Donc mieux à gagner son level, parfait. Donc Vren, c'est dans pas longtemps. Bah, pourquoi j'ai... Mais j'ai pas mis trop. Non, mais il les vaut, les 3. Hein. Je suis désolé, hein. Phantasy Star 2 vaut son 3 sur 5. Ah là, vous n'allez pas être content, mais il vaut son 3 sur 5. Moi, je connaissais pas du tout les Phantasy Star, et il faut l'avouer que pour un jeu... Bonne chance, des bisous. Pour un jeu de 89, l'histoire, le scénario est pas dégueulasse. Il y a juste le leveling et la difficulté qui sont horribles, mais à part ça, le jeu est pas dégueulasse. Et j'ai pas passé un mauvais moment. Puis voilà. En plus, je suis tombé amoureux de Ney. Alors du coup, bah voilà. C'est pour ça que j'ai mis aussi 3. Enfin, il faut me comprendre. Le syndrome de Stockholm, c'est un peu ça. Alucard a raison. Salut Mister Seiko, des bisous. Donc là c'est bon, ils ont tous les deux ils sont tous les deux passés au niveau 28. Je regarde vite fait si lui... Oh, il passe bientôt. Ouais bah non, c'est bon, on va pas à chaque fois dire ouais, voilà. Allez go, on va y aller. Oui. Demain, il y aura Console Mania. Vous le savez très bien, je ne m'arrête pas. Je ne m'arrête pas, je suis un fou. Et que tout le monde va me dire, mais pourquoi tu travailles, mais t'es fou. Non. En plus, je passe du bon temps avec des gens qui sont drôles et qui sont bien. Donc pourquoi ne pas continuer. Donc j'ai 10 000 MST, c'est beau. C'est beau un monde qui joue. Alors, ce qu'on va faire. Je vais passer au shop pour acheter des objets. Avant de continuer ma route. Ah, pognon. Par contre, pognon.
S'il vous plaît, j'aimerais bien trouver le shop. Merci, le shop est là. Ah non, c'est bon. Ouah, je peux acheter des trimates. Bon, pas maintenant, mais je peux acheter des trimates. Et ça, c'est beau. Alors, deux par personne. J'ai fait de la merde. Un antidote. Voilà, normalement c'est bon. Des bisous à Styx. J'espère que tu es moins malade. Tout ce que j'espère, mais des bisous. What? Pourquoi la 4 D-Mate? Et ils en ont que... Hein? Ah non. Ouah, t'as beaucoup trop de D-Mate toi, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, ces gens... Alors, 2 D-Mate, 2, 3 D-Mate et 3 antidotes, 4 D-Mate et 3 antidotes, et là j'ai 2 D-Mate et. Non, 3 D-Mate. Il y en a 4. Et là, il y en a 4 aussi. Il y en a 3. Bon, c'est bon, allez go. On se la tire. Je sais pas. Streamate, je sais pas combien de PV ça me donne de toute manière, je t'avoue. Ils ont une cause. Il est con, ce style. Et s'il te le dit d'une manière, mais trop normale. Non, mais je suis juste mort, en fait. Allez, go. Voilà. Est-ce que j'ai mon escape pipe? Oui, normalement j'en ai une. J'en ai un. Alors. Ce qu'on va faire. Regardez la map. Ok. Ce mouvement de pec hypnotique, je ne sais pas. Est-ce que tu peux mourir? Merci. Si je me bloque, je serai... J'ai un peu la mort. Hein. Si, si. Bien sûr que si. Ouais. Je vais me bloquer. Ah, je sens que je vais me bloquer là. Non. Non. Je crois que je me suis pas bloqué. On lui a donné PS2 et PS3 surtout pour qu'il fasse PS4. Donc voilà, en fait Styx, c'est surtout pour voir si j'étais mort, si en fait on pouvait encore faire quelque chose de mon corps. Non mais franchement Styx, je te le dis, hein, si t'es encore là, ils veulent me donner un jeu, il s'appelle Chacan, je te promets. Il a l'air d'être vraiment dur. Ah ouais. Il a l'air vraiment de pas... Tu rigoles pas, apparemment. Enfin, c'est même pas apparemment, j'ai essayé un peu... Ah, ça donne pas envie. Hein. Allez.
Ouais, là, on peut faire ça, les mecs. C'est vrai que Alucard dit une bonne chose. Ce qu'on peut faire, c'est que dès qu'il y a. Dès que j'ai une autre, des autres vacances, pas maintenant, hein, mais dans 6 mois. Dans 6 mois, on donne ça à Ken. À Ken et. Et MV, excusez-moi. Ça pourrait être drôle. Alors. Salut. Ah ouais, la patate, ça va. Allez, go. J'ai pas radé l'XP que je gagne. J'aurais dû rader. Ouh, ça fait mal. C'est pas mal. Ah mince, il est là. Vite, cachez-vous. Ah, ah là là. J'essaye, hein. J'essaye, ça ne marche pas. Ah mon dieu. Bah pourquoi je peux pas? Oh, le chat est passé devant et il a réussi à cliquer autre part. Vraiment, mais. Ah mais de toute façon, mais Ken il a dit qu'il était toujours là. Hein. Il regardait toujours. Donc il sait ce que vous dites et il sait ce qui se passe. Ah l'arnaque. Je crois que t'en as 4. Ouais. Non, attends, tais-toi. Merci. Ah bah parce que en fait, bah ils vont te répondre, hein. Je pense qu'ils vont te répondre sur le chat. Parce que c'est eux, hein, de toute façon, qui ont fait le Stropole, enfin qui ont répondu au Stropole et tout le bordel. Va voir sur si tu veux le lien, Styx, va voir sur mon Twitter. Allez, go. Je devrais essayer de partir d'un peu plus de combat là parce que je suis en train de me. Je viens de prendre la max. All opponents of Lune are welcome here. Ok, super. Génial. Je suis dans le bon sens. Ciao. Ah voilà. Parfait. Allez, ça va faire mal. Aïe 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 aïe. Oui, aïe aïe aïe. Ah, ça fait mal. Laissez-moi attaquer s'il vous plaît. Parfait. Hunting Band, qui peut le porter ça? Non, porte-le. Attends, tu peux pas apporter ça? Un bandana? Ah, mais c'est pas toi qui l'a. Qui l'a. Ah. Non, mais arrête! Ah, mais c'est équipé. Ok, bon, je vous spoil, mais on va avoir une nouvelle personne dans le groupe, c'est obligatoire si j'ai un objet que je peux pas utiliser.
Je lis plus les taunts, qu'est-ce que tu m'as dit? J'ai bloqué Sapin sur Twitter, c'est pour ça que je l'ai pas vu. Mais non, mais je lisais pas parce que je suis en train de faire du menuing. Non, mais s'il vous plaît. S'il te plaît, Six. Voilà, c'est bon. Bon, par contre, là, j'ai peur d'une chose, c'est que... Je crois que je me suis trompé d'endroit. J'aurais pas dû passer par là, parce que là, j'ai tous les trésors de l'univers, mais j'ai pas la suite. Bon, on va continuer. Le password, ouais, mais ça détruit le jeu. Allez, go. C'est pour quand le softlock? Bientôt. Oh, d'ailleurs, heureusement que tu me dis ça. J'avais complètement zappé, merci. Tellement une mauvaise idée de faire ça. Allez, fais mal. Allez, tape. Et tape, et tu tapes, tape, tape. Allez. Ben voilà. Bon, j'ai du mal à vous lire, hein, je ne vous lis plus. Je vous préviens. Je suis trop concentré. Techniquement, je devrais mieux encaisser les coups que Ren. Enfin, que Vren. Bon. Donc là, il y a un coffre, hein, c'est ça. Allez. Sérieux, m'a fait baisser tellement mes PV là. Thermic Gear. J'ai quoi moi? Force armure. Je sais pas si mon force armure. Non, je peux pas. C'est peut-être Vren. Je vais lui donner. Il a Ceramic Protection. Hey! Ah mais parce qu'il avait un Steel Gear. Ah ben bien sûr. Ah ça c'est bien. Ça c'est bien, 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 bien. Ah ouais, ouais, ouais. Allez, go. Oh, ils sont chiants les mecs en bleu là. Je sais même pas en plus c'est quoi comme monstre. Ils font que des attaques de... Meurs. Bravo. Ok. Bon, spoiler, je vais sûrement sortir du donjon. Je vais regarder combien j'ai d'escape pipe. Si j'en ai deux, je l'utilise. Bon. En fait, là, très simplement, je suis pas allé dans le bon sens. J'aurais dû aller... je n'aurais pas dû aller en haut. Alors, faut que j'attaque. J'ai pas le choix. Allez.
Go. Pour l'instant, il y a un autre truc aussi dans le jeu que j'apprécie plutôt bien. Enfin, assez. Ou assez, je sais pas comment on dit. Allez, je peux me tirer, je sais que je peux le faire. C'est que les ennemis, en fait, quand ils me tapent, généralement, comme je vous avais dit, ils me font pas mal. Et ça, vraiment, c'est... Enfin, ils me font pas mal en tant qu'ennemi. Enfin, si j'étais en 1v1, voilà, j'aurais pas trop de problèmes. 1v1 plutôt, j'aurais pas trop de problèmes. C'est plus quand ils sont 8 et qu'ils font tous la même attaque, ça fait mal. Parce que là, vous avez vu, il m'a descendu, enfin, ils m'ont descendu mes PV alors que c'est des mecs qui m'ont donné quoi, même pas 100 d'XP, c'était des anciens monstres quoi. Ça, par contre, c'est bien casse-couille. Ah, j'ai aucun moyen de... Ça commence à être chiant, là. Ah, c'est chaud. C'est un peu chiant, ouais. Quand il bourre la magie en initiative, c'est super casse-cou. Mais... Là pour l'instant, Vren, il a vraiment un peu trop de chance. Faut que je me tire. Faut que je me tire. Je ne voulais pas utiliser cette technique-là, mais je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Faut que je revienne en arrière. Pour acheter du stuff. Parce que sinon, je n'arriverai pas à faire le... La cave. Surtout en plus que là c'est bête, j'ai juste pas choisi le bon chemin et du coup la punition c'est que j'ai utilisé tous mes objets et bah c'est zéro quoi. Mais en termes de niveau je suis bon hein, c'est ça qui est embêtant. Ah, ils font 600 d'XP alors que dans la grotte jamais on me donnait 600 quoi. Ah, ça utilise JRS après en voiture en voilà quoi. Non, ah. Trente-neuf, ça va. Ok.
Go. Oui, Nia est en train de passer ses derniers partiels avant d'être en grandes vacances. Donc oui, Nia n'est pas là, elle est partie il y a peut-être une dizaine, quinzaine de minutes. Je lui ai dit au revoir, vous avez entendu. Alors. Je vais d'abord acheter les objets, puis après. On va faire ce qu'il faut. Par contre, j'aimerais vraiment. Tu vends vraiment pas une petite escape pipe, toi, s'il te plaît? T'es vraiment pas cool, hein, meuf. Je pense qu'on va en acheter 4. 4 par personne. Même 5. Allez, 5 par personne, je suis fou. Go. 1. Non. 2. 3. 4. Ah merde, je peux rien prendre. Mais oui, courage à elle, ne vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce qui va pas? Ah, mais je sais ce qui va pas. Voilà. Je peux mettre quelque chose à la ceinture, et du coup, ça me l'enlève de... ça me l'enlève de mon inventaire, je crois. Mais je devrais la donner à Léna, non? Ah, mais Léna, elle est pas là. Qu'est-ce que j'ai à Buckle? J'ai rien, moi. Donc toi, t'as quoi? T'as rien? Bon. On va faire une pause comme ça. Je fais du menuing, je sauvegarde, on fait une pause et on repart à la grotte. Allez, c'est parti. Du coup. Item. Qu'est-ce que j'ai? Le saphir que je vais mettre. À ma ceinture. Le style helmet, du coup, je peux aller le vendre. Je crois que je peux aller vendre des trucs. Ok, et toi? Ok. On va vendre. Non, pas mieux. Ren. Steel Gear. Ouais. Non. Alors, j'ai combien? J'ai 2 antidotes et 1, 2, 3, 4 trim. 1, 2, 3, 4 D-mates. J'ai... ouais, 3 antidotes. Donc on va prendre encore... on peut mettre 5, hein. Je vais prendre 2 D-mates. Ok, go. Go. Voilà. Je vais regarder maintenant... notre cher mieux. Donc, 3 antidotes et... pour l'instant, t'as 2 D-mates, donc je peux t'en donner encore 5. Ouais. On va donner... on va t'en acheter 3. Ouais, 3. Un. Deux. Trois. Voilà. Et Vren... mais Vren, il a rien. D'ailleurs, il tient quoi, lui, Vren, à sa... à sa ceinture? Rien, du coup, on va te mettre la... la Moonstone, voilà. Donc là, je peux t'acheter 1, 2, 3, 4, 5. Je peux t'en acheter 5. Et une antidote, je crois, non? Bon. 5, ok. Ti-ti-ti-ti. Tiri-tiri-tiri-tiri.
3, 4, 5. Ah, j'en ai pris 6. Bon, c'est pas grave. J'en ai même pris 7. Ouais, c'est pas grave. Allez, go. On se la tire. Il n'y a pas. Ah, attendez. Il y a peut-être, il y avait peut-être un moyen de monter et peut-être quelqu'un vend une escape pipe. Ça serait génial. Ça serait vraiment juste géant. Il y a quoi en haut? J'en ai juste vite fait. Hop. Ouais. 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 Voilà. Allez, on va faire une petite pause. Tranquille, pauseille. Et puis tout va bien se passer. Allez, hop. A tout de suite. Des bisous, pub. Et puis, allez boire un verre. Ou la pause caca, tout ça, vous savez faire. Des bisous. Oh, ouais, dans le console mania. Ouais, ouais, ouais. What? Attendez, il s'est passé un truc de fou, là. Le slideshow est parti. Le slideshow, il est mort. Oh non, mais le slideshow, il est mort. Et pourquoi? What the fuck? Ok. Bon, le slideshow est mort, donc bah, bienvenue hein, dans console mania, tout ça, tout ça. Bienvenue sur Phantasy Star 3, le jeu qu'est-ce qu'il est bien, le jeu qu'est-ce qu'il est long, et je sais pas, et le slideshow meurt en direct. Soit, hein, tu peux mourir en direct, le slideshow, mais bon, tu peux aussi respecter les anciens, et faire bien les choses. What, what, doucement, 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 vous vous énervez. Sonic and Knuckles, c'est là. Fade, 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 et tu non, forever. Voilà, c'est bon. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est déjà arrivé. Anaris avait disparu la dernière fois. Là maintenant, c'est ça. Non, franchement, je vais le sticky. Voilà, je vais le sticky comme ça. Il bougera pas, salaud. Bref, du coup, Phantasy Star 3, toujours qu'est-ce qu'il est bien. On se vient de se stuffer, on vient de sauvegarder, on va aller dans la grotte, on va juger le jeu et on s'en va. Allez. Donc maintenant la grotte, je sais où il faut que j'aille. Attendez, excusez-moi. Je remets juste les bons. Les bonnes fenêtres à la bonne place. Et puis voilà. Vous êtes en train encore de parler des Phantasy Star, j'allais dire. Des Final Fantasy? Oh bah s'il vous plaît, respectez-vous! Anaris a disparu, mais ouais, mais Anaris avait disparu du de l'overlay, je sais pas pourquoi. Comme ça d'un coup. Alors bon, j'ai rien contre Anaris, hein. On ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait plus. Bah, je peux pas faire jeu de jambes entre les ennemis, c'est ça qui est chiant. Parce que là où c'est mal foutu peut-être, je peux pas arnaquer le jeu. Impossible d'arnaquer le jeu parce que dès que je vais dans mon inventaire, je sais pas si je peux l'arnaquer comme ça en fait. Non, c'est trop long. Je pense pas que je puisse l'arnaquer. On essaye quand même. Il y a moyen de l'arnaquer, hein. Ah, faut croire qu'il y a moyen de l'arnaquer. Non, il n'y a pas moyen. Le step counter est chiant dans celui-ci. Et je peux pas faire du post buffer. Et c'est un peu casse-cou. Voilà. On va dire que même si je peux pas faire de post buffer, il y a un truc qui est bien dans celui-ci. C'est qu'au moins les combats sont rapides. Et ça, c'est cool.
Ah oui, hein, les ennemis, c'est n'importe quoi. Hein. C'est juste what the fuck. Est-ce qu'il est parti, mon... 53, mon local. Mon local record est parti. Je sais pas pourquoi, parce que j'ai peur en ce moment de perdre mon local record. Parce que quand je le lance, je sais pas, il est bizarre. Enfin, il fait un truc bizarre. Enfin, il split, je sais pas, bref. Ah, salut, quelle chouette. Comment vas-tu? Donc cette fois, je vais en haut, à droite, en bas. Pas les mêmes erreurs. Et fais-toi pas Zan, là, s'il te plaît. Là, fais pas ton sort d'AE, mon cul, là. Parfait. Bon, pour l'instant, je sais pas pourquoi le truc bleu n'attaque plus en sort de AE. Moi, je vais dire, on touche du bois. Ah, je surprise les monsters. Quand je surprise les monsters, je peux escape gratos. Je vais quand même... voilà. Je vais quand même raise un peu. Là. Et là maintenant, faut aller à gauche. Hélène Segar, on t'aime, mais qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous racontez comme conneries? Ah, il fait Zan, ça y est. Ça y est, il fait Zan, il a compris. Oulala, oulala, doucement, 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 doucement. Calmez-vous. Calmez-vous, cassez-vous. Truc, là, maintenant que j'ai utilisé mon escape pipe, le problème, c'est que j'en vais devoir se retaper toute la grotte et ça, qu'est-ce que c'est chiant. Alors, j'espère que je vais chercher un objet slash un truc intéressant. Enfin, ça doit être sûrement une personne, ce qui me choquerait pas. Ok. Ah, je peux plus bouger. Ok. Alors. Ouah, le mec, il est tellement swag! Amarian, the leader of these rebels. I know that you rescued Lune sister earlier. Ok. I must have sent you free. Ok. Ouah, le mec! Oh, les cheveux verts, hein! Oh là là! Sorry, Nial, I will join you to get... Ouah! Ok. Oh, il s'est tellement passé des choses! Laser Sword, Laser Claw. Ok. Donc le méchant est apparu. En fait, le mec nous a pris pour un méchant. Et puis après, il a dit non, 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 vas-y, c'est. Voilà. C'était bizarre. Du coup, Ryan. Bonjour, Ryan. Oh là, mais il est trop stylé! Ah, il est trop stylé. Alors, t'as quoi en stat? Ah, t'es un peu pourri quand même, hein. Ah, mais c'est parce que t'as rien, non? Ouah, 2049 pour XP.
est-ce que tu peux utiliser Ner Shiza Deban Rimit? Je sais pas à quoi ça sert, je me rappelle plus. C'est pas grave. Est-ce que tu fais mal? Est-ce que tu veux faire mal? Alors, tu as un bandana, un steel... Oh non. Steel cape, boots... Et ah, voilà. Donc là, c'est intéressant. Car je sais pas si vous vous rappeliez. Mais on m'avait dit que pour aller dans la grotte en bas à droite, quand j'étais dans mon... Dans mon royaume, je devais absolument avoir les Twins Ruby. Du coup, maintenant que je les ai, on va pouvoir y aller. Enfin, je pense que c'est ce qu'on va faire. Excusez-moi. Okay. Du coup... subpart, c'est quoi les subparts? Je vais lui donner hein. Give. Laser sword. Ah, une laser sword, mais je savais pas en fait que... alors attendez, on va tenter un truc. Je vais tenter un truc parce que je veux pas faire n'importe quoi. On va voir quel type d'arme Ryan peut porter avec lui. Là, il n'y a rien. Je sais pas ce que c'est, ce part. Ok. Il peut pas. Laser clé, il peut pas. Donc lui, il peut avoir que des bâtons. Donc lui, Ryan, alors que Ryan a le swag de l'univers... Ryan va porter des fucking bâtons en métal. C'est vraiment très dommage. Et bah écoute, Ryan, passe-moi la laser sword. Moi, je vais en faire bon usage quand... Ah mince, je peux pas. Oui, c'est parce que j'ai trop d'items. Trop d'items. Bref. Trop de D-mate, tue le D-mate. Moi, j'ai l'œil qui part en couille. C'est très drôle depuis tout à l'heure. Attention. Attendez, on se la refait. Hein. On se la refait. Attention. Ah, je suis trop overpowered. J'ai trop une laser sword. J'ai trop une laser sword. Ouais, je vais aller voir dans le manuel. Du coup, et toi, tu vas me passer le laser claw. Tu le donnes à mieux. Attention. Ouais, ça va. Ça va, ça va. Par contre, j'aimerais savoir à quoi sert ces subparts. Je peux pas. On peut pas se le mettre. Ah non, mais non, vu que t'as déjà les. Je vais dire la ceinture, mais j'ai déjà les rubis. Allez, go, on va y aller. Donc finalement, ça va bien se passer. Il a combien en défense? Ouais, 90, donc il va être le dernier. Donc toujours Bren, Nial, Mieux et Ryan. J'ai pas un... Ok. Qu'est-ce qu'ils me disent? C'est un Bron, Talia, back to... Oh, ok. That's why Lune and Ella woke up. Ok. Oh là là! Allez, s'il vous plaît, l'initiative. Mais je crois que le mec, là où il est chiant, c'est pas des attaques, c'est des debuffs ou des buffs, non? Et si c'est ça, moi ça me saoule. Je déteste ça parce que moi je suis le mec du DPS. Par contre, vraiment là, c'est chiant. En plus, vu qu'ils m'ont tendu une embuscade, je ne peux rien faire, je suis obligé de les attaquer. Sinon, si j'essaie de partir... Oh là 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 là. Et je vais rien gagner comme XP, tu vas voir.
322 ça. Et juste avec l'épée, j'ai fait 326. Is looking for something in Aridia. Donc il va falloir aller à Aridia. We want to go to Aridia, but we don't know how. Maybe the twins Ruby can... Ouais, voilà, tu vois, c'est ça. Enfin, vous voyez plutôt, c'est ça. I could banish Lune and alert to far away Dahlia. Lune and alert dream of taking revenge of us, so they froze themselves until the moon returned. Ok, super. Even wake your others. Ok, on se fait chier. Allez, go! Par contre, des bisous, Nakor. Merci d'être passé. Tu repasses quand tu veux. Des bisous, Crazy Seven. Allez faire des bisous à qui vous voulez. Hey, je suis en train de me dire, j'avais le Reborn. Le bandana, j'avais le bandana, j'en suis sûr que comment il s'appelle, Ryan peut choper le bandana. Je suis presque sûr. Attendez, je vais regarder le, on va regarder le manuel. Wow. Alors manuel. Il est où mon manual? Al manual? Ah, non, c'est pas là. Il est où mon manuel? Ah, il ne trouve pas mon manual. Est-ce là où mon manual? Non, vous ne regarderez pas ce que j'ai sur mon PC. Vous n'avez pas le droit. Vous ne pouvez. Donc on est d'accord que c'est du debuff et du buff, hein, on se fait chier. Il a quoi l'autre là? Il a deban, prevent an enemy, prevent, gives your better chance. Ouais ouais, voilà, on se fait chier. On se fait chier, j'en veux pas. Alors. Ouah, je t'ai donné un objet qui t'a permis de gagner 3 en défense. Ne t'inquiète pas, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà. Oui, oui, je sais, hein, vous me l'avez dit, mais je voulais juste être sûr que les autres c'était aussi du buff, des buffs, tout ça. Comme ça, on est sûr et certain que je ne l'utiliserai jamais. Allez, j'ai pas le temps là. Là, j'ai pas le temps. Dernière heure, on va essayer de faire avancer l'histoire là. Parce qu'on a passé 1h30 à aller dans une grotte et ça fait chier. Ça fait chier, chier, merde. Oh là là. Bonjour, je me fais attaquer 72 millions de fois. T'as 369 de damage, c'est n'importe quoi. Je vais rien gagner comme XP, c'est ça qu'il faut. 40 XP. Ouais, je vais peut-être m'en servir sur les boss. Ouais. Si vraiment les boss, je m'en sors pas, je m'en servirai là-dessus. Mais... Ouais. Oui, c'est beaucoup, 78 millions. Je sais. Allez, tire-toi. Bravo. Parfait. Donc, on se tire. Et notre cher Ryan, j'ai envie de faire monter un peu... comment dire,
faire monter un peu les levels, mais le problème c'est qu'il a besoin de 2049. Je crois que c'est un des personnages qui demande le plus d'XP là en fait, au final. Je crois, hein, je vais regarder. 468, 29, 2600 machin, 1000, ouais, enfin il demande un max quand même. Hein. Je sais pas. Mais il est, ça va. Comme on dit, il est quite powerful. Voilà. Vivement que tu finisses ce jeu. Ouais, mais ça va tranquille. Enfin, ça avance tranquillement le jeu. Ça va. Y a pas de soucis. J'y ai pas d'animosité par rapport à Phantasy Star 3. Tout se passe bien. J'ai loupé quelque chose? Qu'est-ce que j'ai loupé? D'ailleurs, Ryan a une belle cape, donc on va aller le stuffer un petit peu d'ailleurs. En parlant de cape, on va aller lui mettre une cape. Enfin, si on peut. Allez, go. C'est quoi qui fait une sonnerie? C'est-à-dire... Ah ça, c'est parce que quand t'as 4 personnages, la musique, il y a de plus en plus d'instruments en fait. Merci Sieg de l'avoir dit. Bon, si j'ai loupé un coffre, c'est pas grave. Hein. Je t'avoue, on s'en fout un peu. Alors, je vais d'abord stuffer Ryan, et puis après, on va sauvegarder. D'abord, stuffons Ryan. C'est important. Tiens. Voilà. Ah, j'aurais peut-être dû essayer Fibri là, enfin, on se fait chier là. Bon, c'est pas grave. Gagne vraiment pas beaucoup en défense, ça me fait un peu peur, je vous avoue. Une erreur de ta part, bon, c'est pas de soucis. Non, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de soucis. Enfin, j'ai un peu froid par contre, moi. J'ai envie de mettre une petite laine, une petite veste, laser staff. Wouah! Ah bah attends, en fait on va tout de suite se mettre bien les mecs. Ouais. On va tout de suite se mettre très très bien. Je ne savais pas qu'en fait j'avais le laser, les laser staff. Disponible. Voilà. Allez hop, je suis devenu un Jedi et j'ai gagné 100 il a gagné combien là, 150 en attaque, ce qui ne veut strictement rien dire maintenant. Allez, c'est bon, Ryan est overpowered. Ouais. Voilà, c'est ça ce qu'on veut. Nous, on veut du DPS, nous. Nous, on est là pour le DPS, les mecs. On n'est pas là pour rigoler. Vends ton bandana. À poil. Allez mieux, enlève ta veste. Je regarde juste si j'ai rien à vendre. Bah si. Ah bah si. Si le sword, du coup, je vais la vendre.
J'ai des force boot techniquement, donc je suis pas loin. Je vais vendre une céramique claw vu que j'ai la laser, une laser claw. Alors c'est dommage que j'en ai pas deux, ça par contre je ne comprends pas pourquoi j'en ai pas eu deux. Soit. Non, pas Ryan. Mieux. Evren, est-ce que toi tu as un truc à vendre? Non, c'est bon, toi t'es bien. Je suis totalement ambiancé là. Mector sur tes épaules, ça tient chaud. Mais Hector, il fait dodo. Je veux pas l'embêter, Hector, il fait dodo. Non, faut laisser Hector dormir quand même. D'ailleurs, en fait, hein, la VOD, enfin, les VOD du dernier Console Mania, c'est bon, hein, ils sont uploadés, hein, voilà. Sachez-le, je vous le dis. Si ça intéresse les gens, vous pouvez aller sur non répertorié, tout ça, vous savez le truc. Vous connaissez l'histoire de ma vie. Du coup, nous allons revenir en arrière. Par contre, gros problème, c'est que si on repasse par là, j'ai pas envie. Bon, en tout cas, la première ville où on va repasser, où je vais pouvoir acheter des escape pipes, je vais m'en acheter au moins 4-5. Parce que les escape pipes, c'est la vie. Voilà, on va faire tout le tour. Faites le tour, et puis ça va. Allez. Wouah. 402 d'XP, oh, c'est bien. Moi j'attaque tous les ennemis là. Ah bah oui. Mais oui. Allez go. Donc. Je vais faire tout le tour. Waouh, il y a totalement un coffre. J'avoue, pour une fois que... Non, ça va, Hector fait le con, mais généralement, il choisit ses horaires, tu vois. Là, ça va. Ah, Niall qui gagne un niveau. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau, ça, c'est bien, ça. J'avoue, tu vas finir par te faire mal. Bah là je roule sur le jeu parce que je fais du backtracking. Hein. Parce que le jeu t'oblige à faire du backtracking. Hein. Alors que franchement si le jeu... si on pouvait faire ça d'une manière un peu plus saine, les donjons comme ça, les trucs, ils nous laissent un moyen de repasser en arrière et puis voilà quoi. Voilà. Pas mal. On a retrouvé Chuck Norris indien. Allez go. Salut. Allez. Go. 14h21. Ah, le temps passe vite. Non mais je le sens bien. Je sais pas où j'en suis du coup. Parce que là qu'est-ce qu'on a fait depuis
qu'on se refasse dans cette deuxième génération, qu'est-ce que j'ai fait? Donc je suis allé dans la grotte à l'ouest, j'ai fait un donjon pour récupérer une meuf. Cette meuf m'a dit que c'est son frère faisait trop de la merde et qu'il y avait des rebelles dans une cave. Je suis allé voir les rebelles pour leur dire « Écoutez, je suis avec vous, il y a un mec des rebelles qui a dit « Ah, vas-y, moi je viens avec toi ». Ce mec possède un objet pour passer à une autre comment on appelle ça, à une autre grotte, et là je vais y aller, et du coup je pense que je vais aller vers un endroit où je ne suis jamais allé. On va sûrement faire un truc de merde par rapport, ça se trouve, au climate control, puis après une nouvelle génération va popper peut-être, hein. Environ la moitié de la deuxième génération. Ça va. Du coup, alors est-ce qu'il y a des escape pipes? Je veux une escape pipe, s'il vous plaît. Please. Du coup. Je vais me soigner, ouais. Oh là là, t'es con. Allez, go. Alors, maintenant, que vais-je faire? Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passait? Ok. La plus intéressante en termes de possibilités. Parfait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? C'était tout à droite. Bon, bah écoute. On va aller là. Hein. Ouah! À gratos là comme ça? Genre sur un laser shot, genre gratos. Mais je crois que maintenant ça sert plus à rien en fait. Je suis un peu dégoûté, je crois. Ah, dommage. Bon bah c'est pas grave, j'irai le vendre. Ah, je suis un peu deg. Donc vu que j'étais pas passé par là, je vais pas passer par là, parce que moi ce qui m'importe ici c'est de ressortir et pas de rentrer dans un bordel encore. C'est un bordel sans nom. Non, pas comme les gazinières s'il vous plaît, respectez. Alors là, je passe par un endroit où je n'étais pas passé. De toute façon, là, les ennemis vont ne me font rien, bien entendu. Parle en français, s'il te plaît.
Ceramic Reborn. Putain, il y a pas mal de stuff là-haut. T'as quoi déjà, toi? T'as Hunting Reborn. Ceramic Reborn, peut-être que... Que tu vas kiffer, meuf. Est-ce que tu vas kiffer? Totalement, mais c'est trop cool. Waouh. Putain, je suis empoisonné deux fois, mais quelle bête de merde. Ok. Génial. Oh là là, non mais empoisonnez-moi, vas-y, allez, allez-y. Hein. Non, je, au point où on en est maintenant... Oh, je veux juste sortir de là en fait. Donc ouais, il faut que je retourne en arrière. Bon. Vous me faites chier, merde. Oui, mais parfois, je sais, je dis des phrases un peu what the fuck, on comprend pas trop où je veux en venir, mais c'est parce que dans mon cerveau, il y a tout qui bouge, tout qui... tout qui se bouscule, et voilà. Voilà, c'est bon, tout le monde est empoisonné, GG, bravo le jeu. Voilà, peut-être que je vais gagner une... Ah. Je vais gagner un succès. Bonjour, je suis un ennemi qui fait 0 dégâts mais qui peut t'empoisonner. Mais à part ça, tout va bien. Ah, parfait. Attention. Franchement, si s'il y a des laser claws, enfin une griffe laser, ça serait vachement cool. Vachement cool. Ceramic Shield, moi je n'utilise pas de shield parce que je trouve que les shields c'est pour les autres. Je n'arrive pas à sortir de ce donjon. Ça me saoule. Je crois que j'ai pris tous les objets dans le donjon qui possible de prendre. Qu'il est possible de prendre plutôt. Je vais aller tout à droite. Mais vraiment tout à droite. C'est parti. Maintenant je suis à droite. Ah! Voilà. Maintenant, je descends. Je vais à droite. Je tiens la droite. Voilà. Et après, je vais monter. Oh, 110 d'XP, pas mal quand même. Voilà, maintenant je monte. Ah, j'ai surprise les monstres. J'ai quoi contre le shield? Ah, parfait, c'est ça. Merci, merci Icoban.
qui m'a donné la vérité. Il m'a dit, écoute, si tu veux que je te dise comment faire pour sortir, va à droite. Alors, maintenant, je vais retourner dans mon pays. Oh. Cassez vos gueules. Voilà. Me dit un truc important sur Twitter. Ouais, ok. Merci. Je vais lui dire ok. Hop là. Merci hein, de me l'avoir dit. Peut-être enlever mon Twitter de là, ça serait bien. Voilà. Pas Fantasy Star encore. Je vois bien les gens. Non. Pourquoi? Moi qui vais les suivre. Moi qui vais les suivre, Console Mania. Salut, Noé. Bienvenue. Désolé, hein. Je n'ai pas choisi le jeu. Mais il est cool. Reste, tu vas voir. Il est... Enfin, reste, s'il te plaît. Il est très très cool. Fantasy Starmania, c'est un peu ça. Ah. Très cher jeu 2 qui lui me dit merci bien. Je vais retourner dans mon pays pour faire des bisous à mon papa et ma maman. Ou alors je vais dans le village et puis je sauvegarde. On va peut-être faire ça. Ouais. On va peut-être faire ça, c'est mieux. Oui, il fait beaucoup moins... Il fait moins futuriste, mais il y a quand même des cyborgs. Donc, voilà. Non, non, non. Franchement, là, c'est pas possible. C'est pas possible de passer une semaine entière sur un boss, sachant comment je prends des niveaux, à moins que le jeu me dise, faut que tu prennes 20 niveaux. Non, ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Pas mal, pas mal. On voit que t'as bossé la phrase praline, pas mal. Ouais, avant j'ai fait la légende de Thor, Thunder Force 3 et The Immortal. Ah, j'ai pas fait des jeux faciles hein, quand même. Hein. Mais des jeux bien. Même The Immortal, c'était bien. Alors, allez, fais-moi rêver. Je t'ai dit, fais-moi rêver. Oh là là, le con! Eh bah dis donc! Waouh! Je lui fais-moi rêver, elle fait ouais, oh, vas-y, c'est ça ta gueule, ouais. Super.
juste de pouvoir me soigner. Est-ce qu'on peut passer? Ouais, celle-là. Je sais pas si je peux passer entre. Ah si, je peux. Ah bah ça, c'est cool. Donc, je fais une petite sauvegarde. Voilà. Curaz, on verra. Quand le jeu tombera, on fera en sorte de faire ce qu'il le faut pour que tout se passe comme il le faut. Alors, nous allons à la grotte de mon cul parce qu'on aime bien. Si, c'est des MST, sauf qu'ils appellent chez eux mes états, mais c'est des MST quand même. Super, empoisonne-moi, je m'en fous. Oh là là, mais c'est pas possible, des poussins m'empêchent de partir. Casse-toi, j'ai pas envie de les taper. C'est des rapis. Don't kill the rapis. J'ai pas vu le nom en fait. Ah là là, mon dieu! Je peux rentrer! Comme c'est drôle! Merde. Casse-toi! Oh là, chier. Allez, go. Ah non, pas ses ennemis. Ok. Tout à fait. Je vais tenter un truc, je vais juste tenter. Ok, la Force Claw, elle est plus forte que le laser. Ok, donc force est plus important que laser. C'est mal. Ok. Super. Force knife. Qu'est-ce que j'en fais moi de force knife? J'ai personne qui tient des couteaux en fait. Merde. Non, bah, ça sert à rien. Je me tire.
Allez, go. Totalement. Donc c'est toi qui... A... Non, c'est qui? C'est lui qui doit avoir le force... La force sword. Alors... Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Ah, ça fait mal! Donc en haut, en bas. Moi je dis en bas. Parce que quand il faut... Parce qu'on va en bas à droite maintenant, si j'ai bien compris. À l'Hydraïa machin, on va en bas à droite. Voilà. Donc, où suis-je? Hé! Mais on y est déjà allé ici! Il y avait des grottes là ou pas? Ah, je me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Bref. Oh. Ce qu'on va faire quand même, parce que comme GE2 semblerait d'être en retard, c'est qu'on va faire une pub maintenant. Comme ça, dès que je reprends, GE2 pourra reprendre tout de suite derrière moi sans qu'il y ait de pub. Enfin, lui, il pourra mettre ses pubs, mais il va pas genre faire des pubs et tout le bordel. Donc voilà. Du coup, je fais 5 minutes de petite pub, comme ça on a 10 petites minutes de 10 petites minutes devant nous. Allez. On sait jamais, au cas où. Au cas où. Au cas où. Allez, à tout de suite, je fais ça, comme ça au moins on sera bien. Hop là. La la la. Heureux dans Consolemania, heureux pour cette petite dernière partie de 10 minutes pour que notre cher GE2 ait tout de suite la main pour pas qu'il commence en retard ou trop en retard. Mais apparemment il m'a envoyé un petit message pour me dire qu'il sera là à l'heure. Donc voilà, vous retrouverez GE2 pile à 15h. Mais du temps, en fait, ce qu'on va faire... du coup j'arrête pas à 55, je vais arrêter à 58-59 pour laisser tout de suite je mettre les pubs. Je voudrais juste arriver dans mon ancienne ville. Vous savez, l'ancienne ville là à côté de l'eau. Comme ça je sauvegarde là-bas. Et puis tout va bien se passer. C'est pour ça que j'ai fait une pub juste avant. Ne vous inquiétez pas, bah voilà, parfait, c'est ici. C'est ici. On est bien. Go! Du coup, donc là, vous vous rappelez où on en est, où on est, hein, on était où il y avait tous les rabots. Et on était parti à droite, je pense qu'on va partir à gauche maintenant. Mais je vais juste me soigner. Ouais, je vais juste me soigner. Je vais juste me soigner. Ah non, attendez, je vais juste pas me soigner, enfin je me suis soigné je crois, sans faire gaffe. Ouais, je me suis soigné, dommage. Dommage, parce qu'en fait je voulais juste voir avant s'il y avait moyen d'acheter des escape pipes, parce que j'ai besoin d'escape pipes, c'est super important.
Il y en a. Oh que oui, je vais en acheter. Oh que oui. Je vais en acheter la max. Ah, je peux pas. Ok. 2. 3. Je peux pas. 4. Encore un. Encore un. Et on va peut-être faire un peu de menuing pour partir, et puis voilà, ça sera tout. Hein. Alors, menuing, on va vendre du coup. Non, non, non. Oh, j'ai eu trop peur, j'ai failli vendre un truc de fou. Je l'ai pas vendu le saphir, non, c'est bon. Alors, on va vendre la Laser Sword. Parce que ça sert strictement à rien maintenant. Je vais pas vendre le shield, parce qu'on sait jamais. On sait jamais, ça peut peut-être me servir un jour. Je vais vendre le Hunting Ribbon. Parce qu'au final j'en ai plus un. Le Ceramic Claw aussi j'en ai plus besoin. Force Knife, je vais le garder. Peut peut-être me servir. Lui, qu'est-ce qu'il a? Le Laser Shot, du coup je peux le jeter. Hein. Ouais, je peux le jeter. Ouais. Il y a d'autres, il n'y a rien. Il a les subparts. Je sais pas à quoi ça sert les subparts. Il faut vraiment que je cherche à quoi ça sert les subparts. Je sais pas si c'est un truc de robot. Je vais essayer de lui donner. Je peux pas les équiper, les subparts ou pas. C'est pas grave, donc lui il a un escape pipe, du coup je vais demander à Ryan de donner un escape pipe à lui. Encore demander à Ryan de donner un escape pipe à mieux. Et lui il en reste deux, lui il en a un, lui il en a un, et elle elle en a un, je vais lui en donner un autre. Ce Ryan, je sais pas en fait si Ryan va rester dans notre groupe ou pas. Donc, dans le doute. Dans le doute. Et on va sauvegarder. On va sauvegarder parce qu'on est pas mal. En termes de stuff, on est pas mal. En termes de, d'XP, on est pas mal. On est bien partout. C'est vraiment cool. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, juste. Pour faire un peu d'explication de ce que je vais faire demain. J'arrivais pas à trouver mes mots. Je vais juste lui parler pour voir s'il y a un truc. Il redit exactement la même chose. Donc, je sors de là. Je peux pas aller dans l'eau, non, on peut pas aller dans l'eau. Alors, je vais sauvegarder ici. Hop là, voilà. Cette phase était intense, je sais que vous avez tous aimé cette phase de 5 minutes. Donc, nous sommes ici, hein, vous le savez, vous voyez ma souris, c'est parfait. Nous sommes allés de ce côté-là, techniquement, on est venu par ce côté-là. Obligatoirement, il va se passer des choses ici. Donc il y a peut-être une grotte là, je crois, et je ne pouvais pas rentrer la dernière fois, donc je pense clairement qu'il va falloir aller dans cette grotte ici. Ce qui est bien, et par rapport à ce qui va se passer... sur cette génération. Je ne suis pas allé ici. Pour l'instant, je ne suis pas allé. Donc, il peut se passer plein de choses. Ici, j'ai quand même pas mal tourné sur ce bout de carte. Donc, je pense que ça va pas servir à grand chose pour la deuxième génération. Ici, y a un coin où je ne pouvais pas accéder. Je ne sais pas d'où je vais arriver. Peut-être, en fait, on va faire tac-tac. Ou tac-tac. Je sais pas ce qui va se passer. Peut-être troisième génération, mais en tout cas tout ça pour dire que on avance plutôt bien. Je sais où je dois aller. Pour l'instant, je ne suis pas guaqué et ça c'est cool. Et on peut faire du tac 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 tac. On est bien. Donc voilà, je pense que c'est tout. On va se laisser pour cette partie de Phantasy Star 3. Moi, du coup, là, je vous laisse avec GE2 qui va faire du Spelunky et qui sera à l'heure.
GE2, si tu es dans le coin, sache que je ne ferai pas de pub, donc tu peux reprendre directement après moi. Tu peux mettre ta pub et ton CPM directement après moi, tu peux même en avoir une petite minute de plus, et ça c'est beau. Voilà, n'oubliez pas Spelunky, jouez-y, c'est très très bien, et vous pouvez jouer sur PC, tous les supports, même sur Vita. Oui, parce que je vends la Vita en ce moment, j'ai envie de vendre la Vita. Allez, des bisous les mecs, des bisous les filles, je vous aime, je vous dis à demain, parce que moi, le 1er mai, je travaille, pas comme certains. Des bisous. Allez, ciao.